Après ce chaos, l'Orient est enfin libre, mais la ville est détruite à 95%. Comment refaire une ville sur ce champ de ruines ? Pour loger la population exilée, l'habitat provisoire s'organise autour des baraques. Les Lorientais retrouvent un semblant de vie d'avant. Logement, commerce, tout s'organise autour de ce nouveau mode de vie provisoire, en attendant la reconstruction qui durera plus longtemps que prévu. Georges Toury, en charge de la reconstruction, propose plusieurs plans. Déplacer la ville à l'Armor-Plage pour laisser place à l'expansion de l'arsenal, hors de question pour les Lorientais. Après de nombreux débats et concertations, le cœur de la ville ne sera finalement déplacé que de quelques mètres afin de s'orienter autour de la place Jules Ferry. On va donner à la ville un nouveau visage. Partant d'une feuille quasiment blanche, les architectes et urbanistes dessinent une ville à l'architecture moderne et avant-gardiste. De 1950 à 1960, les Lorientais découvrent leur nouveau cadre de vie. L'église s'installe à la place Alsace-Lorraine. Les bâtiments administratifs s'articulent autour du parc Jules Ferry. Le Palladium permet d'accueillir à nouveau de grands événements. Les halles de Merville sont construites avec un style innovant, moderne et futuriste. Au fil des années, l'Orient retrouve sa lumière et son dynamisme. En 1970, Polyg Montjarret crée le Festival Interceltique, faisant rayonner la ville à l'international et qui accueille aujourd'hui 900 000 personnes sur 10 jours. La base de Quéroman, récupérée par la marine à la sortie de la guerre, décline petit à petit, au fil de l'évolution technique et nucléaire des sous-marins. L'espace est redonné à la ville de Lorient en 2001. Mais que faire de cet imposant ensemble militaire? On construit la cité de la voile Éric Tabarly et d'importantes infrastructures afin de développer le sixième port de la ville. De nombreux skippers y posent leurs valises. Lorient devient en quelques années le premier pôle européen de course au large. Enfin, le cœur de la ville bat en son centre, ici au Moustoir, accueillant les générations de Lorientais tous les 15 jours depuis 1926, afin de pousser les Merlus à la victoire. Aujourd'hui, comme depuis 98 ans, toutes et tous nous ferons rugir notre passion pour ce club et cette cité. Lorient revit. L'Orient rayonne. Aboriente refulgente.